Eh bien salut tout le monde, c'est Zappos, c'est parti pour une nouvelle vidéo. On est sur l'officiel, cette fois-ci en roublard mode AJ. Donc avec ma roublarde, là pour le coup c'est pas la bêta test, on est avec notre roublarde contre un Xelor pour ce combat qui a également un d'Officie War, il a 45% de résistance AJ. Ça tombe pas très bien pour nous, je vous avoue que c'est pas le mieux. Mais bon, c'est pas grave, on va mettre la petite tornabombe, on va la protéger et on va faire un tour un petit peu basique pour moi. Quelque chose que j'aime bien faire, c'est les doubles bombes latentes, pour moi faire la maîtrise même si le corps à corps on l'utilise rarement sur un roublard. Donc là normalement on va avoir des vrais combats, de PVP, il va peut-être essayer de tuer la bombe avec Rayon Obscur. Bon, c'est vrai qu'il écarte ma bombe, après c'est pas très grave, j'aurais peut-être pu mieux la placer, je sais pas. Ou alors il fait juste ça pour pouvoir charger la synchro, non il va vraiment essayer de la tuer, il est full terre apparemment. On a des raises correctes en terre, on a aussi 50% air pour la synchro. Honnêtement ça va, mais ça va être chaud surtout parce qu'il a, ouais, il a aussi des bonnes raises AJ. Il a bien vu, il a mis les raises AJ, enfin c'est, il a mis les raises AJ, on dit son stuff donne des bonnes raises comme ça. Et c'est reparti pour se booster. Alors par contre on va se faire plaisir niveau boost, parce que là on va pouvoir tout faire péter. Je vais juste refaire péter une sismo. Voilà, nickel. Et après, bon, il me reste des petits PA, je peux charger des bombes latentes. Voilà, je vais mettre une bombe AJ déjà un petit peu là-bas. Voilà, faut pas là. Et on va remettre des bombos latentes parce que j'aurai encore le kaboom. On va en refoutre deux. Pas pressé pour l'instant, on va vraiment jouer sur les toupies parce que les toupies c'est vraiment fumé. Donc on se presse pas. Une petite fuite de lancer, le Xelor va venir à l'attaque. Je sais pas s'il a un nébuleux ou quoi. Il a un nébuleux, ok, d'accord. Et il joue avec Faille Temporelle qui lui permet d'échanger de place et il va nous venir nous taper assez fort. Après, ouais. Faille Temporelle, normalement, attends, son cadran revient mais pas lui, non. Je sais plus exactement comment ça marche mais je crois qu'il va rester à mon cac. Il rend beau, ok. Ouais, bah du coup, je sais pas comment il va faire pour taper, mais il fait juste un flou. Franchement, les gars, je sais pas ce que vous en pensez, mais est-ce que ça valait le coup de cramer le fight temporel juste pour m'enlever deux petits PA? Surtout que c'est m'enlever, c'est même pas vraiment m'enlever des PA, puisque après, je vais les récupérer plus tard. Voilà, il revient à la maison, et nous, on est bien. On va regarder, on va pouvoir se booster tranquillement, full PA, full puissance. C'est vraiment le bonus étoupie là qui est énorme. Et puis après, on peut même essayer, je regarde un truc. Si je fais ça, le problème c'est qu'après il faut que j'aille tout là-bas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, on peut pas. Et si je fais ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, je peux faire ça par contre. Alors, il faut pas que je bégaye trop. Si je fais ça, plus ça, on va rémission là-bas. Ça me semble pas dégueu. On n'aura plus de kaboom. Normalement, j'ai assez. Hein, ouais, voilà, j'avais même de la marge. Ah bah, j'aurais même pu la mettre là. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, j'aurais pu mettre ma bombe ici, j'ai un peu fail. Il aurait fallu que je mette la bombe ambulante ici. Bon, c'est pas très grave. En plus, on lui a enlevé masse PM. Hein. On lui a enlevé masse PM, les gars. Franchement, c'est pas mal ce petit tour. Regardez mes nombres de PA. Bon, là, c'est bugué, je crois, les PA que j'ai. Quoique, je suis même pas sûr que ce soit bugué, les gars. Je crois que j'ai vraiment 20 PA parce que j'ai le bonus flou. J'ai plus 4 PA du kaboom. Ça me fait du coup 6 PA. J'avais peut-être un petit bug quand même sur le PA avec les toupies qui a dû me rajouter 3 PA. Mais dans l'idée, j'ai vraiment beaucoup de puissance aussi. Hein. C'est pas affiché, mais j'ai quand même au moins 3 bombes feu en puissance. Il lâche le contre. Et une momif. Alors, est-ce qu'on peut faire du sale? Si je fais ça. On va essayer de tout donner. Je vais en tourloupe, je réfléchis quand même, on va faire ça. Hop, 1400 dégâts, on va mettre un coup de cac. Attends, on va faire explosion collante. On va faire péter avec Etoupie. On va regagner des PA, je suis concentré les gars. Et on va le tuer. Ah putain, est-ce que j'aurai le temps? Oh, j'ai eu le temps. Oh putain, franchement pas mal hein. Oh, je suis content parce que j'ai peut-être pas eu le temps de faire cadence, c'est pas sûr que je le tuais, c'était un peu chaud. Hein. Mais honnêtement, je suis content de moi parce que là, mon tour était sympa, j'ai tenté le kill. Pourtant, le mec avait quand même au moins 3800 HP. Plus d'Officie War, il avait tout ce bordel. Mais là, vous avez vu, on avait 17 PA, bordel. Quand je vous dis qu'étoupie, c'est en même temps 17 PA, mais en plus de ça, j'ai fait une étoupie dans le tour. Avec, j'ai fait l'explosion collante, voilà, j'ai fait l'explosion collante. Qui m'a permis de regagner 3 PA derrière. Donc en gros, c'était gratuit comme sort. Enfin, c'est vraiment vénère, quoi. C'est vraiment vénère. Parce que quand même, on est contre un Xelor qui est assez opti. Roublard contre Xelor, bon, c'est un match-up, franchement, 50-50, je dirais. Mais c'était un beau match. Mais j'avais même. Enfin, non, je suis content de moi dans ce combat. Les gars, on se retrouve tout de suite pour un prochain combat. Parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont demandé ouais, fais des vidéos avec des meilleurs adversaires et tout. Donc je me suis dit, allez, si vous voulez des meilleurs adversaires, on va aller sur l'officiel. Et j'ai une cote pas dégueu. Je crois que je suis premier roublard de Hush.
Donc voilà, c'est pas un truc de ouf, hein. Je dois avoir 4600 de côte, mais pour Roublard, en plus je suis pas un expert Roublard, c'est quand même pas mal. Allez, à tout de suite. La deuxième combat contre un Kra, alors je crois que j'ai pas mis Khaz Dragoff, si, parce que je faisais un Khaz Dragoff, mais je sais pas si je l'ai mis sur ce perso. Ouais, non, je l'ai pas mis, merde. C'est un peu relou ça, parce que vaut mieux jouer avec des résistances, du coup je vais mettre la Dorabis. Ouais, parce que je vais pas mettre des esquives, on va jouer comme ça, hein. Normalement, en fait, contre les Kras, je joue vraiment avec plus de résistance, que je me dis, vu que j'ai pas l'initiative, le temps que j'arrive jusqu'à eux, ça peut être un peu chaud. Bon, on va rester comme ça. Et c'est encore un Dauphis Ivoire qui est proposé par le joueur français. Enfin, je sais pas s'il est français, on peut essayer de voir. D'ailleurs, si vous voulez savoir les serveurs des gens contre qui vous jouez, normalement, ça marche encore. On fait ça, voilà. Donc le mec est de Mercator. Et vous pouvez savoir, en gros, voilà, si vous jouez contre un étranger ou pas. Et puis si ça se trouve, c'est un mec que vous connaissez, vous n'êtes pas sûr. Bref, la petite commande Wiz aussi pour faire ban les gens, on connaît. Allez, let's go. Mais ce qui est bien, c'est qu'il y a full Dauphis Ivoire. Moi, je préfère, quand j'en ai un Dauphis Ivoire, je préfère qu'il y en ait en face. Pour le beau jeu, enfin encore sur Luffy, je m'en fous un peu. J'ai envie de te dire, allez, tu peux crever, c'est pas grave. Mais bon. Allez, on fait la rémission. Vous avez compris mes premiers tours de jeu. Il se résumait à quoi? Mais ce que je trouve vraiment fort, vous avez vu le combat d'avant, les gars, franchement. Je me retrouve au tour 4 avec 17 PA et je crois que j'avais au moins 4 boosts de puissance. C'est-à-dire 140 puissance x 4. Au moins, hein, si je dis pas de bêtises, j'ai pas vérifié, mais ça doit être quelque chose comme ça. Du coup, on se retrouve au T4. On a 17 PA, on a 500 de puissance de boost. On peut en plus, avec Etoupi, encore récupérer des PA si besoin. On se retrouve avec avec un gros kill sur quand même 45% de res plus des refixes. C'était quand même agréable. Alors, par contre, voilà, ça c'est chiant. Il joue plutôt bien. Il a joué bien pour deux raisons. Il a œil de taupe, donc le kick PO est très chiant contre les. Pour moi, quoi, quand tu joues Roublard. Et en plus de ça, il a foutu une balise sur ma bombe. Donc c'est moi qui ai fait le con, j'aurais dû la foutre ici. Parce que là, du coup, j'ai qu'une seule bombe. Donc avec le kaboom va être moins intéressant. Ouais, c'est presque pas la fin du monde non plus, mais bon. Allez, on fait péter tout ça. Nickel, on récupère nos petits PA. Et après, je pourrais pas le mettre dedans tout de suite, c'est pas grave. On va mettre une sismo, on va la faire péter. On va balarguer une bombe R. Faut pas être pressé. Franchement, pas besoin d'être pressé. Il m'a vraiment jeté des PA. Bah, tu sais quoi, avec les PA qui me restent, les gars, on fait ça. Comme ça, s'il tue une des deux bombes, ou même s'il tue pas des bombes d'ailleurs, hein, j'aurai un fric à bombe prochain. Là, c'est possible qu'il dispé, mais je me trouve pas trop mal placé. Il pourrait peut-être dispé ici, après je suis là. Il doit pouvoir choper une ligne de vue. Bon, franchement, là, je suis pas trop mal placé à mon avis. Alors, c'est possible qu'il tape sur la bombe du coup, hein, mais s'il tape sur la bombe, franchement, pas grave. Pas grave. Par contre, je pense qu'il va falloir attendre que je rechoppe mon bonus PO pour pouvoir faire un kill ou quoi, parce que avec moins 6 PO en général, c'est quand même compliqué de. Voilà, on est pas assez souple, hein. Vous avez vu, la PO dans le tourloop est pas bien. Par contre, voilà, il va quand même me mettre une pupu, mais sur le Dauphis Ivoire, donc c'est pas grave. Et là, c'est ce que je disais, il a tué les bombes, la bombe R, donc du coup, parfait. Parfait, enfin parfait, c'est pas non plus ce que je voulais, mais ça me permet, voilà, de gagner, et j'ai 16 PA déjà. Hein. Alors, on peut faire quoi de beau? On va bot. On va aimanter en fin de tour, je vais foutre une bombe. Pour l'instant, je vais peut-être pas le mettre dans les bombes. Je vais mettre ça là. On va tranquillement. On n'est pas pressé, par contre, je vais faire comme ça plutôt. J'aurais dû débloquer la flamiche sur le trombon, mais c'est pas grave. Je préfère le bloquer un petit peu. Bon. Franchement, faut pas être pressé. Là, il est en bas nébuleux. Si j'arrive à le gêner un petit peu, le tacler et tout. Déjà, je pense qu'il va essayer de dispé, mais tu vois, je l'ai un peu gêné. Il peut pas dispé ici. Il peut dispé pour se barrer que sur moi. Et s'il dispé sur moi, ça veut dire qu'il va être vers ma bombe. Et du coup, il va être encore bloqué. Donc là, il va y aller au cac. Mais vous voyez qu'il tape pas très fort au cac. Franchement, c'est un peu ridicule les dégâts qu'il nous met. Sachant que, bon, on a quand même une bombe qui est bien boostée derrière. Il a pas beaucoup de res air. Hein. Il a quand même des réfixes, mais pas beaucoup de res air. On n'est pas trop en danger. Là, il va rester vers la bombe. Hein. Alors, l'entourloupe pourra pas être jouable maintenant. Mais le prochain tour, ça pourrait être sympa. Ok, bon, on va aimanter la petite bombe, hein, y a pas de problème, poteau. On l'a érodé. Honnêtement, le tromblon que j'ai mis le tour d'avant, les gars, c'est peut-être une erreur. Enfin, disons que ça sert à quasiment rien de mettre un tromblon contre un cra. Enfin, l'érosion n'est vraiment pas utile. On perd un PA, je vais foutre quand même la bombe ici. Hop. Et après, je perds plus de PA, très bien. J'ai déjà la maîtrise. On va faire ça. Et je crois qu'on va le réaimanter, les gars. On va le réaimanter. Merde, je peux pas me réaimanter. Ah, bah, c'est une petite erreur de ma part. C'est pas grave, on va le coller. Mais ça aurait été mieux une aimantation, je pense. Parce que, en fait, quand il est. Moi, je suis là avec lui, il est là, il peut pas se disper pour se barrer. Hein. C'est ce que je vous disais. Donc, ça aurait été mieux, mais j'ai mal joué, mais c'est pas grave. Là, il peut pas aller très loin non plus. Hein. S'il part, c'est par le haut. Et je crois qu'on lui a enlevé des petits PM dans les bombes, donc il va pas aller très loin. Hein. Et on a une grosse bombe ici, on a le roublard bot. Franchement, il a plus que 2400 HP. Ce crap, pour l'instant, n'est pas si mal. Voyons voir. C'est pas fini. Qu'est-ce qu'il nous fait? J'ai cru qu'il allait nous mettre l'étape pesanteur, mais ce n'est pas le cas, en tout cas, pas pour l'instant. Donc là, franchement, j'ai 6 PM. Ah, faut pas qu'il m'en enlève d'autres. Ça a l'air d'aller. Ouais, normalement, j'ai juste à mettre un roublabot et aimanter là, jusque j'ai la PO.
Oui, j'ai la PO, donc bon, a priori, sauf si je suis une grosse merde, ça tue tous les jours, quoi. Tous les jours, on met ça ici. Je réfléchis quand même pour assurer, mais normalement, voilà. Et bah, c'est cool ça, les gars. Oula, j'ai eu peur, j'ai cru qu'il y avait un poison, je sais pas quoi, là, non, c'est bon. Il n'y a pas de problème, on va lui faire beaucoup de dégâts, bim, 1800, et ça va le terminer. Ça fait plaisir, on enchaîne avec notre petit roublard. Pourtant, je suis pas un expert roublard, mais c'est une classe que j'aime beaucoup. C'est une classe où il y a beaucoup de possibilités de jeu. Il y a beaucoup. Enfin, vraiment, en fait, ce qui est bien avec cette classe, c'est que chaque roublard va jouer d'une manière différente, tu vois. Il n'y a pas vraiment de manière parfaite. Alors qu'il y a d'autres classes, je sais pas, quand tu joues Yop Dopu, par exemple, bon, tes tours, on va dire que tout le monde devrait faire les mêmes. Si tu optimises ton tour, ça devrait ressembler toujours à la même chose. Roublard, c'est pas vraiment le cas. Roublard, vraiment, ça dépend des visions des joueurs. Il y en a qui vont pas voir le jeu de la même façon. Il y en a qui vont chercher le kill à l'explosion. Il y en a qui vont chercher plutôt à garder les bombes en vie avec des murs de bombes. Vraiment, c'est différent. Il y en a qui se full boost tout le temps. Il y en a les Roublards qui font que de se full booster avec Kaboom. Ce qui est aussi très fort, hein. Et voilà, vraiment, c'est totalement différent. C'est pour ça que la classe est vraiment intéressante. C'est une classe d'ailleurs que j'aimais moins avant. Mais je commence à bien l'apprécier, hein. Ça fait un petit moment que je la kiffe vraiment bien. Allez, à tout de suite pour un troisième combat. C'est parti, dernier combat en ayant Roublard R contre Roublard R, je crois. Ah, sauf que moi j'ai un Dove War, donc ça va être quand même un petit avantage que je vais avoir. Hein. Il nous met une Espingole directos et il nous met 12 Espingoles. Ah ouais, c'est-à-dire qu'il va pas jouer avec des boosts Kaboom. C'est risqué pour lui, hein. Après il fait ce qu'il veut. J'ai pas mis Dokoko encore. Enfin, un problème c'est qu'en fait j'avais pas vu, mais mon Dokoko il est sur mon SRAM. Enfin, j'en ai deux, mais j'en ai pas sur Roublard là actuellement, donc c'est my bad quoi, j'ai envie de te dire. C'est ma faute. Et c'est un peu chiant, ça aurait été bien que je joue en Dokoko quand même dans certains combats. Enfin là en vrai contre Roublard c'est pas forcément trop grave je trouve de ne pas avoir de Dococo. Il y a plus grave dans la vie. On va rémission tout ça. On va se mettre par là non? Parce qu'il faudrait pas qu'il m'attire trop facilement. Et puis on va caler des petites bombes latentes. Ah merde, qu'est-ce que j'ai foutu moi? Ah mais j'ai rémission, alors c'est my bad, j'aurais pas dû rémission, ça sert à rien. Parce que je suis en train de parler et du coup j'ai rémission pour rien. Ah, il joue avec un posture, ok, c'est pour ça qu'il a pas mis de boost kaboom. Ouais, parce que ça sert à rien là, de clairement de. Pff, ouais, ça sert à rien. Enfin, de rémission maintenant, il allait pas tuer ma bombe à mon avis. Là, il va plutôt essayer de me mettre dans les. Enfin, essayer, il va y arriver, hein, il va mettre sa bombe par là. C'est plutôt bien joué, après, pour l'instant, ça va pas être très dangereux, mais il pose son jeu, on va dire, et ça, c'est un peu relou. Puis surtout moi qui ai fail avec ma rémission qui sert à rien, pour... j'aurais dû la mettre ce tour-là, limite. Après, c'est pas la fin du monde, hein. Moi, si je mets une bombe ici, je vais récupérer plein de PA. Hop là, je vais pas tuer ces bombes, non je pense que ça sert à rien de tuer les bombes pour l'instant. On va refaire un petit boost. Tranquillement, voilà. On va balarguer notre bombe, je sais pas trop où on la fout. On va la foutre au milieu. Là il pourrait faire quoi? Se mettre dans le coin ici. Et on va mettre des petites bombes latentes. Comme ça s'il tue une de mes bombes, j'aurai encore les bombes latentes. Ok. Il va peut-être faire péter la bombe du haut, voilà. Aimanter sur moi et essayer de caler une bombe où je suis là. On va voir après. Pour l'instant, en fait, au début du combat. Oh, il tue ma bombe, d'accord. Donc, il va peut-être essayer de tuer toutes les bombes. Parce que s'il met une bombe ici. Non, je sais pas ce qu'il va faire là, honnêtement. Avec 6 PA. Je sais... Parce qu'il aurait pu tuer. Enfin, il peut toujours d'ailleurs. Je crois que s'il va là, il fait recel sur cette bombe, elle va là. Et il pose une bombe ici. Il va faire, je crois. Ah, il a pile poil assez pour le faire en plus. Il a de la chance. Je pense pas qu'elle meure la bombe en vrai. Ah, bah, limite, ça aurait été mieux qu'elle meure en vrai, mais bon. Du coup, on va faire comment? On va aimanter comme ça. Ok, nickel, on peut y faire. Oula, faut pas que ça bug, les gars. Non, s'il vous plaît, Internet. Allô? C'est bon. Ok, on va mettre des bombes ici. On va faire péter. Parce que là, j'ai un peu bugué. Je sais pas si j'aurai le temps de finir mon tour de jeu. Ouais, j'ai pas eu le temps de faire le meilleur tour du jeu parce que j'ai eu un petit bug. C'est pas grave, on a pu jouer et surtout on s'est beaucoup boosté. Ça, c'est peut-être un avantage qu'on peut avoir aussi. C'est que, bah, il joue pas avec Kaboom. Du coup, nous, il en a plein de boosts et lui, il en aura jamais du combat. Par contre, il a plus de possibilités de balancement. Et vu qu'il joue pas avec Kaboom, limite, enfin, vraiment sans déconner, j'ai limite peut-être même pas besoin de jouer avec mes bombes à moi parce qu'il joue pas avec Kaboom. Donc, c'est-à-dire, je pourrais le mettre dans les siennes quasiment tout le temps, quoi. Enfin, j'abuse, mais bon, quand même un petit peu. Alors là, il fait quoi? Il fait étoupi, mais sur ma bombe à moi. Donc, je sais pas si c'était volontaire ou pas, j'en ai aucune idée. Je pense que oui. Enfin, il avait juste des. Ah non, il a confondu, ok. Ok. Bon, là, on n'a pas grand chose à faire, si. Je pourrais bot ici. Bien, il me manque des PM, quoi, pour faire vraiment du sale.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, j'ai pas le temps de finir tout mon tour, mais on va quand même pouvoir attirer l'adversaire dans ses murs de bombes. Voilà. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas ouf, mais bon. On va lui mettre 1000 dégâts, hein, mine de rien, grâce à ça. Hein. C'est ce que je vous ai dit, hein. S'il détruit pas ses propres murs de jeu, il a pas de kaboom, on va jouer avec les siens. Bon, moi, c'est pas grave. Bon, c'est dommage, j'ai pas eu le temps de refaire une bombe au latente. S'il me restait des PA, j'ai pas eu le temps de jouer. C'est dommage, parce que j'aurais pu avoir un boost en plus le prochain, on va voir. On va voir comment ça se déroule le combat. Parce que là, il peut nous mettre dans des bombes, effectivement, mais on a le Dofusivore et on a 50% de résagie. Hein. Là, c'est vrai que niveau stuff, on n'est pas trop mal dans ce combat. Juste, on n'a pas de Dococo, mais on peut faire ça, hein. Ok, bon, bah au moins, il détruit ma bombe latente et il va pousser les deux bombes. D'accord, ça marche, pas de problème. Par contre, il est à côté de mes bombes à moi, là. Hein. Il est juste à côté. Ah bah du coup il a libéré ça. Bon bah c'est pas grave, on va faire étoupille. Hop. On va mettre une bombe collante. On va faire. Comme ça, hop, hop. Oh nickel, ça passe. Et bim, ça passe pour ce dernier combat. Je pense qu'on va s'arrêter là, les gars. Je suis content. Hein. Là, c'est dommage, il avait pas de Dofusivore. Donc j'avais quand même vraiment l'avantage de ce côté-là. Parce qu'il avait pas de Dofusivore. Désolé, des fois, dans les certains tours de jeu, je parle plus. Je m'arrête de parler parce que dans ma tête, il se passe plein de choses là. Il se passe plein de choses dans ma tête. Je me dis putain, tu sais, je fais plein de calculs. Non, je rigole. Hein. Enfin, juste réfléchir un peu si ça peut marcher ou voir. Là, j'ai un petit peu improvisé. Mais c'est vrai que le combo étoupie, explombe latente, explombe collante. Putain, je confonds toujours les noms des sorts. Et pas mal du tout, on a pu lui faire vraiment masse dégâts. Et encore, il y avait de la marge parce qu'on le tuait largement, il y avait trois bombes à côté de lui. Ah, il avait pris des risques, hein. Il avait pris des risques pour mettre dans les murs de bombes. Et c'est vrai que Roublard, contre un Roublard, le Dofusivore, il fait quand même beaucoup de taf. Parce que c'est souvent que le mec va. Enfin, le Dofusivore va vous sauver la vie sur une grosse ligne de murs de bombes. Genre, il va essayer de vous pousser dans un mur de bombes qui vous met 1000 dégâts, mais vu que vous avez le Dofusivore, vous allez prendre que 500. Donc, le Dofusivore est vraiment fumé contre les Roublards, je trouve. Parce que les Roblards, souvent, ils ont pas assez de PA pour débloquer le Dofusivore avant de pousser dans les murs de bombes. Hein. Enfin, des fois, ils ont assez, des fois, ils peuvent pas, donc c'est un peu chaud. En tout cas, c'était ça peu. N'hésitez pas à laisser un maximum de likes. Je serai pas là ce week-end, mais normalement, j'ai tourné les vidéos en avance, donc il y aura pas de problème. Il faut juste que je fasse le montage. Et puis, ça sortira sur vos écrans sans problème. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu. Et bonne soirée tout le monde. À bientôt. If I play something like that.